Oui, dans la mesure où c'est un univers spéculatif et plus les volumes augmentent, plus il y a des risques de casse quand les prévisions ne sont pas respectées. Dans mon domaine, essentiellement au niveau des clubs qui peuvent utiliser cette forme juridique pour se reconstruire après des moments difficiles, c'est ce qu'on a mis en place à Bastia et ce qui va peut-être être mis dans d'autres clubs pour repartir avec autour de la table l'ensemble des acteurs concernés par le club. Oui, je pense qu'effectivement, en amont, mais ça a quand même été souvent le cas, hein, en dehors des grandes compétitions où c'est vrai que l'État a pris en charge beaucoup de choses, mais ça a toujours été fait en concertation avec le club utilisateur des infrastructures. Donc c'est utile, puisqu'effectivement, il faut définir les besoins du club et les intégrer sur le programme qui doit être développé.